habite Génie-Nago, Auguste. La scène se trouve dans un sorte de cube mur transparent. Au milieu de la scène, un canapé, une petite table, deux sièges et une vitrine. Au fond, une horloge est suspendue comme une cloche par un mécanisme invisible. Jenny Lagouge est habillée en robe de soir. Sa chevelure rousse est lâchée. Ses mouvements sont minutieux, délicats. Son attitude, celle d'une femme froide et distante. Auguste est un homme très élégant, grand, de peau très, très pâle. Il a des cheveux blonds. Il est en costume de gala. Il lit un cahier à la couverture bleue. Mes amis, l'enfer, c'est là où il n'y a pas de pourquoi. Soyez les bienvenus. Il jouissait toujours de voir son fils les yeux exorbités, énormes, ouvert par la terreur que lui produisait la sensation de son petit corps traqué et blotti contre la grande bibliothèque de la pièce sombre et silencieuse de la maison de campagne. Seule sa mère en avait la clé, ainsi que toutes les petites clés des autres vitrines, de la plus ancienne, la plus belle aussi, celle en acajou aux cristaux biseautés, où s'entretenait une importante collection de biscuits, ou de petites statues, comme il préférait les appeler, car le mot biscuit le faisait rire. Les origines diverses de ces biscuits donnaient un charme singulier à cette collection, française, allemande, italienne, suisse, également de très rares d'origine russe. Auguste regarde de l'horloge. Il marche vers elle, se retourne et se déposer sur le canapé. Long silence. Il prend le cahier et poursuit sa lecture. Ces instants particuliers et mystérieux furent soudainement inondés par un silence presque musical. Son petit visage se figea, glacé face à la colère de son père. Celui-ci possédait un pouvoir hypnotique instantané qui lui faisait éprouver des plaisirs inconnus, inexplicables. Auguste, lui, était comme une petite statue effarée. Jour après jour, son père répétait cet étrange rituel. Durant des années, j'ai tenté de déchiffrer ce coup stratégique terrifiant qu'il déployait sur ce tablier d'échiquier virtuel dans l'atmosphère somptueuse, affranchie par cette bibliothèque, submergé dans des heures vétustes aux odeurs de tout et de voyages décomposés où nous nous affrontions. Ainsi, ce gamin faisait déjà partie de cette enceinte laquée que mes parents avaient fait venir de Prague. La rouge est en avant-scène. Au fond, son corps appuyé sur le mur. Elle avance vers Auguste. Lentement. Elle s'arrête quand celui-ci finit.
en sort quelques objets. Il s'assoit, le corps figé face au spectateur. Il pose doucement le journal sur la boîte et sourit avec délicatesse. Après des mois que je tente de reconstituer ces moments intimes et filiaux, j'en ai parlé. J'aimerais tant arracher de ma mémoire les souvenirs de ce temps d'enfance. Hélas, je crois qu'il n'y a lieu de se contenter de ce qui me reste, parce que ces lignes conservent. Intime et décoloré, je peux parfois le toucher. Souvent même, je le tiens du regard. Quelle différence. Il me faudrait quelque encouragement, un souffle pour ne pas perdre haleine. Et ainsi pouvoir conclure ces lignes. Années de cohabitation, bifurcation fusionnelle avec quiconque dans cet univers tranquille, éloigné. C'est un exploit que jamais on ne reconnaîtra. C'est vrai. Mais nous ne pouvons pas nier que le paysage est merveilleux et que sa vue. Est un don et une grâce divine. Mais ma vie, jamais je n'ai ressenti autant de bonheur que celui que m'ont offert les 300 années de vie avec cet homme, qui, jour après jour, me surprend par ses charmants esprits. Café, thé ou chocolat. Ta courtoisie est un exemple de bon goût. Et d'élégance. Chocolat, merci, Guy. Merci, Guy. Mais je t'ai trompé. Tu n'es pas lutté, je t'ai demandé. Regarde durant quelques secondes. Jenny offre la tasse de thé à Auguste. Il la prend de sa main droite et sourit. Oui, Auguste, je le sais bien. Mais je ne peux pas préparer autre chose. Dans 3 heures, c'est là. Je suis impatiente. C'est un événement.